nous finissons avec une lettre Premier ministre, parce qu'il n'a pas gagné une réponse à une lettre du 23 mai. Dans la lettre au Premier ministre, nous faisons demande pour qu'il soit capable de nous la demande de rencontre, de nous rencontrer le plus rapidement possible, parce qu'il nous peut couvrir un issue, un problème national qui peut affecter tout le monde. Et nous disions qu'il y a 545 000 employés et 531 000 véhicules. Donc, sa augmentation des sens-là peut couper tout le monde. Nous aussi, faire ressortir qu'il n'est pas d'accord avec des malfaiteurs, démagogues, antipatriotes, qui lui peut servir contre les gens qui peuvent défendre la cause sociale et la cause des travailleurs et la cause des nantis, les gens qui ont le pouvoir d'achat et perdu dans le pays. Et nous aussi, nous demandons de mettre l'eau dans MBC de manière que MBC amène une balance de sa couverture de la nouvelle pour qu'il lui donne un gouvernement qui est déjà plus que largement couvert et alors qui a une force qui sociale et aussi capable opposant à ce que le gouvernement peut faire, il est capable de mettre un parti politique, je ne vais pas une couverture qui est bizarre. Nous finissons aussi envoyé l'État MBC qui n'a pas fini couvert nos conférences de presse du 23 mai comme il se doit. Nous pouvons annoncer plusieurs manifestations décentralisées dans la ville et la campagne, l'eau fait la demande pour baisser le prix d'essence et diesel. Nous avons une grande manifestation prévue pour le 11 juin à Port-Louis. Nous pouvons discuter et passer à la presse le détail autour du calendrier de manifestation décentralisée et l'heure et le trajet du manifestation du 11 juin. On peut faire ça juste avant le budget, de manière aussi à ce que le gouvernement comprend qu'il y a un mécontentement généralisé, l'inflation peut augmenter, le pouvoir d'achat peut baisser et le prix qui peut prévaloir avec une taxe de 52% le produit pétrolier, est inacceptable. Et c'est un message que nous pouvons envoyer, nous faire un appel à Banzimoun, qui nous peut défendre notre cause, pour notre ville en nous. L'eau de manifestation décentralisée et l'eau surtout manifestation du 11 juin à Paris.